Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharaoh. Du coup, suite au dernier sondage, je vais arrêter la série sur ce dernier épisode, je pense. Alors la sauvegarde restera éventuellement disponible, mais il y avait un dernier épisode à faire pour en terminer, voir un peu si déjà le coup de la petite horde qui assiège, aidée par les autochtones, ça fonctionne. Que ce serait quand même intéressant de savoir. Et on va aller punir ces deux-là, qui se croient malins, je pense qu'on peut utiliser ce terme. Donc on va leur tomber dessus avec Aliat et Gaelden. Ça leur fera les 1, disons ça comme ça. Ici il y a un truc assez rigolo qui s'est passé, j'avais pas fait gaffe, mais les rebelles égyptiens ont pris cette cité. Et du coup ça avait totalement endommagé nos villages Pélesset. Mais sans qu'ils soient détruits, donc ils ont pas popé d'armée du coup. Du coup, je les ai réparés, ça coûtait 200, autant que pour les fabriquer, donc bon, comme ça c'est fait. Et du coup, on va tenter un petit assaut ici. Soutenu par Daminou. Bon, alors déjà, visiblement, le renfort fonctionne. On va se la faire comme ça. Ouf. Ah, le petit mouvement avec les képèches, ils sont classe aussi. J'avoue... C'était joli. Ouh, une belle bataille là. Très très belle. Et ça fonctionne parfaitement. On peut raser, gagner le butin de guerre de bronze. Magnifique. Donc ça fonctionne totalement. Faire des armées autochtones pour poser une nouvelle armée de horde et se balader. Alors ça coûte cher en ressources hein, parce que faut des armées bonus, mais. Mais ça marche totalement et c'est même plutôt carrément efficace. Donc excellente idée Nardinus. Merci de me l'avoir suggéré. Du coup on va améliorer un petit peu sa horde à lui. Hein. Donc il va pas recruter, probablement pas. Ah on peut pas faire d'autres idoles. Donc on va partir sur... coup des bâtiments de la horde, c'est pas mal. Allez hop. Et du coup, lui, il continue son raid en plus, tranquille, pas de stress. Bon, bah, prochain tour, on pourrait aller attaquer Sichem si on voulait. Donc, il faudra faire gaffe à rester proche. Faire gaffe aux embuscades aussi, j'imagine, avec cette compo. Mais ça va, il n'y a pas tant d'embuscades dans ce Total War. Contrairement à Warhammer 3, ils jouent pas trop embuscades, les ennemis. Et donc, ici, on a des fessées à mettre, mais il va falloir qu'Aliat débarque. Et pour ça, il va falloir passer un tour. Donc on va attendre un petit peu. On a gagné un pilleur pragmatique du butin de guerre. C'est parti, on passe le tour. Et ici, je pense qu'on la fera. Ah, est-ce qu'ici il y a guerre? Est-ce qu'ils vont se taper dessus? Ouf. La vache, il a réussi à prendre la ville. En perdant aucune unité face à 20 mecs. Joli. Alors là, il y a eu une victoire. Mais c'est juste qu'il s'est replié, il a pas vraiment gagné en fait. Ah, là, il y a des envahisseurs qui se pointent, qui remontent. C'est le repli. Qu'est-ce que c'est que ces envahisseurs en carton? Défendez-vous! Défendez-vous! C'est des libous, ça, si je ne m'abuse. Avec cette espèce de vache là. Et bim! Bah, bien joué. Perdu quelques troupes au moins. Une, j'ai cru voir. Bon, lui, le fait qu'on l'ait laissé tranquille, je pense que ça lui sauve la peau. Hein. Il est du coup carrément mieux. Nos autres adversaires sont quasiment à genoux. Alors est-ce qu'il retourne faire l'assaut là? Ça serait intéressant. Lui se balade, tranquillement. Il a l'air de viser spécifiquement cette province là, je sais pas pourquoi. Donc là, ils se font de plus en plus, ils se prennent de plus en plus d'attrition. Ils retournent quand même faire le siège, donc on va tomber sur les deux, voilà, pour le plaisir. Et personne n'a repris cette ville, pourtant je pense qu'elle doit être riche. Hein.
Civilisation en transition. Ouh, oui, la vache, on est passé de à peine en prospérité à gros trou dans la crise là. Excellent. Ah, la faction. Ah, c'était notre. Ah, c'est lui là. Ce mec là, il a débarqué ici, il a détruit notre poule aux œufs d'or et il a pris le terrain là. Ah, mais c'est Taoiserth. Ah, la vache, elle s'énerve. Elle s'énerve carrément, quoi. Bon, bah, ce sera une bonne cible éventuellement plus tard. Alors, non, je voulais regarder quand même dans la diplomatie. Tac, 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 du côté des Égyptiens. C'est lui le pharaon, d'accord. Donc, lui, il est prétendant. Okay. Et Taoiserth est prétendant aussi. Et lui, du coup, il est tout en bas, mais il a encore de la force. Hein. 12 provinces. Mais Taoiserth a l'air d'être bien placé, hein, vu comment elle s'étend là. Eux, ils sont en guerre avec quelqu'un. Avec le pharaon, mais c'est tout. Et ils sont plutôt potes avec Taoiserth, ok. Ah oui, ils sont alliés militaires, ça doit être pour ça qu'ils sont rentrés dans la guerre, d'accord. Donc si on les attaque, on se prendrait Taoiserth en passage, ce qui est pas forcément gênant. Donc là, on dirait que la garnison a souffert. On dirait qu'il y a eu un vrai assaut, là. Parce que du coup, il y a un mec de moins. Ah oui, l'armée a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dû faire une vraie bataille. Ils ont dû faire une vraie bataille et eux ont perdu, mais ils ont quand même réussi à faire tomber toute l'armée qui était dedans et une partie de la garnison. Waouh. Eh bah écoutez. J'ai envie de dire. Life is not fair. Neither am I. La vie n'est pas juste et je ne le suis pas non plus. Allez, on va attaquer eux. Ils vont reculer à tous les coups. Ok, normal. Par contre, du coup, on est coincé dans la ville, du coup. Mais on peut aller s'occuper de lui avec Gaelden. On va le faire. On va faire ces deux batailles, je pense. Bon. Je pensais que ça serait plus équilibré que ça. Mais c'est pas grave, on va les faire puisque c'est le dernier épisode. J'attendais à ce que ces troupes d'élite soient un peu plus comptées. Mais c'est vrai qu'on a quand même aussi des armées qui sont hyper expérimentées. Niveau 8, nos troupes, on a perdu quasiment aucune troupe. Même les frondeurs d'Akatsuki, là. Je pense qu'ils vont faire extrêmement mal. Ah, j'avais pas vu, on avait une citation de Taoiserth quand elle allait combattre à Memnes, tiens. Est-ce qu'on pourrait éviter la tempête de sable? Pas vraiment. Bon, bah, tempête de sable, ce sera. On va essayer, du coup, de gagner vite. Alors, le frondeur, ils ont 230 de portée, les nôtres, 210. Ok. Il va donc falloir que les Akatsuki encaissent. Alors, on pourrait aussi se déployer, coller là, les charger direct. Bon, il y a quand même du monde après, des mecs en armure. On est censé gagner contre tous individuellement, mais est-ce qu'ils vont être capables de tenir jusqu'à ce que les renforts arrivent? C'est la question. Ça pourrait être rigolo. On va faire ça. On va faire une charge héroïque. Et courir après, comme des gros sacs. C'est parti. Donc ici, on attaque là, tout le monde. Vous courez jusqu'ici. Allez, en avant. On envoie nos chargeurs, nos éclaireurs, là. Devant. Même pas peur. Ouh, il y a une espèce de clipping dégueu quand il marche. Dommage. On n'est même pas capable de les rattraper, quoi. Du coup, on va charger sur les guerriers au quai pêcherant avec nos haches. Le choc, on fait tellement de dégâts au choc, quoi. Bon, après, on va souffrir. Hein. Faut pas se mentir, là. On va envoyer du frondeur là-dessus, probablement du frondeur sur les frondeurs. Ici, sur cela, dans le dos, sur cela. Le reste de l'armée. À la charge. À la charge. À la charge. En avant. Allez aider les gars.
On a une bataille et une partie à gagner. Bon, les frondeurs, là, je pense qu'ils vont faire un max de tiramis. On est tellement dispersés. On est en train de perdre en moral, c'est une surprise. Là, on a quasiment annihilé cette unité, n'empêche. Excellent. C'est tellement la violence. Slingers crossed away. Get away now. Si les mecs se sont pris là, là c'est la déroute, ok. Bon, c'est pas surprenant non plus, hein. On y a quand même été comme des gros sacs. Et les chargeurs à la hache maraudeur ont l'air d'être carrément prêts à matcher les nôtres. Hein. Mine de rien, ça les a quand même occupés par contre. Ça c'est très très bon. Allez, les Akatsuki là. Allumez-moi ces enfoirés. Voilà, Gaelden, il y va contre les chargeurs à la hache, il a pas peur. Ici on balance nos javelots. Et là ça va être le décès instantané de Gaelden face au mec avec des haches. On sera dégoûté. En avant. Pareil pour vous. Occupez-vous du chef. Bon, ils ont fait le taf hein, les éclaireurs. Hein. Ils se replient. Bon j'avoue c'était hyper tactiquement pas bien de les utiliser comme ça. Mais c'était rigolo. Et ils ont fait le taf. Franchement je m'attendais pas à ce qu'ils fassent aussi bien le taf. Ok, ça commence déjà à être la déroute là. Les frondeurs, ils pouvaient rien faire face à Akatsuki. Là, c'est la déroute également. Le général, on va lui envoyer quelques marins dans le dos, ça va le calmer. Ça y est, c'est la déroute et il n'y a même pas encore la tempête de sable. Victoire décisive. Alors il a reculé, donc normalement ça devrait l'annihiler. Sans qu'on ait trop besoin de s'embêter. Ouais, quand même, hein, ils ont fait le taf. 59 victimes pour eux là. Ça reste plus que tout le reste de l'armée. Hein. Même là, le 31 reste excellent. Oh la vache, comment il a cogné Gaelden. Ça va tellement se payer ça. Un d'or. On va prendre la reconstitution. Pour recharger nos petits éclaireurs. Et du coup, c'est la défaite. Ensuite, on lance l'assaut ici. Donc du coup, il y a quoi? Le renfort, ouais, ils sont pleins, mais un peu endommagés quand même. Il y a toutes les unités. On peut faire un combat singulier pour le fun. Victoire! Du coup, un général de moins. Et maintenant... on les piétine. Donc on va laisser Gaelden peut-être s'occuper des renforts. On va voir comment ça se compose les renforts. Si tout le monde arrive du bon côté. Tain, ça va être difficile l'assaut par contre. Il y a peut-être une entrée par là, pas dit. Une par là, une par ici. Là c'est peut-être ouvert mais je suis pas convaincu. On va voir ça. Parfait comme météo. Alors du coup, ouais, là il y a une ouverture. Ok. Là, là. Une ici, ça c'est quoi? Tour principal en plein centre de la ville, excellemment bien placé ma foi. Des ressources loup là-bas, donc ici on pourrait lancer un assaut par là, ça serait pas dégueu. Nos renforts arrivent là, les leurs arrivent ici, donc ils vont de toute façon courir par là probablement. Ce qu'on pourrait faire du coup c'est l'inverse. On s'occupe de l'armée de renforts avec Aliat. Notre armée de renforts, on l'arrive ici, on l'envoie par là-bas. On peut aussi se faire... un petit détachement là, avec la garde de Chobiti. La garde de Chobiti qui va prendre les unités qui sont en déploiement rapide. On va les déployer direct ici. Ces deux là devant pour une charge, la garde de Chobiti arrivera derrière. On va mettre eux également. Tac, tac, plutôt là. Hop, hop. On va filer le petit char et là ça va, on va essayer de rentrer là, défoncer ce qui nous met en face. Aliat avec sa petite ligne de front. Pourquoi je me gourde en celui-là de touches pour changer de sens à chaque fois. Tu vas venir ici, ici on va prendre les archers, on va les mettre en hauteur. Alors pas trop proche parce que ça se trouve il pourrait arriver sur toute cette ligne.
De même que toi, on va te mettre plutôt par ici. On va quand même mettre les unités d'élite pour couvrir. Ces deux-là, là. Et pour le coup, on va les mettre vraiment là pour qu'ils dévalent la pente sur nos ennemis. Et on va découper tout ça. Il reste un frondeur. Viens là, petit frondeur. C'est parti. Alors du coup, comment ça se passe? Il a mis des mecs hyper loin, là. Et ben, c'est l'occasion de les défoncer. Eux, on va les faire courir par là pour sécuriser la zone. Vous, on va désactiver votre feu à volonté. Vous allez courir ici. Et toi, vous allez courir ici. Et le chariot, est-ce que du coup, il y a d'autres endroits intéressants? Là, il y a des... conscrits épéistes qui seraient dépouillés, il y a quelques archers. On peut pas capturer, donc même si on enfonce cette ligne, c'est pas super intéressant. Pour le moment, on va avancer par là. Ouais, quoique, on va quand même aller par là. On va voir s'il y a une possibilité. Ici, du coup. Ok, les renforts arrivent hyper mal placés par rapport à nos lignes. C'est du conscrit. Bah, c'est parti. On va les dépouiller rapidement mais efficacement. Nos propres renforts sont en train d'arriver. Allez go. Ok, ici il y a du monde. C'est parti. À la charge, à la charge, à la charge. Vous, pareil, précipitez-vous sur ces cons. Les archers, laminez-moi les archers. Ah, il y a des enfoirés qui sont apparus sur le côté, j'avais pas vu, merde. Vous, reculez. Il va nous falloir plus de monde du coup. Ça va passer quand même, hein. Je suis pas très très inquiet, très honnêtement. En plus c'est du péon. Ici, là il y a une autre arrivée, on va envoyer du monde par là aussi, parce que pourquoi pas, tiens. Les éclaireurs bien nommés. Hop. En avant par ici. Ici, ça donne quoi? On court, on charge. Il envoie du monde, mais ça va pas suffire. Ça, c'est les vétérans. Hein. Oui, contre-charge. Intéressant. Intéressant, mais pas suffisant. Essaye donc de balancer quelques javelots là-dessus, toi. Alors, du côté d'Aliat, ça se passe comment? Ah, il est en train de carrément se barrer avec eux, intéressant. Intéressant, rigolo. J'aime beaucoup. À l'attaque. Fais-nous courir cela. Toi, tu cours un peu par ici. Là, du coup, on a du marin de renom. Il est à même de faire mumuse avec ce qui pourrait décider de tomber. Du coup, eux, on va les envoyer plutôt essayer de tirer là-dessus. Les Akatsuki, pareil. Avouez-moi ça. Il ne fait rien, là. Globalement, tout le monde est en mouvement. Ok, parfait. Les bœufs, on va les envoyer par là-bas. Là, ça va être la déroute quasi instantanée. Vous, vous pouvez arrêter de tirer. Hold up. Mettez-vous en position comme ça. Là, on a un choc, là. Ah oui, parce qu'on se prend des flèches enflammées. Okay. Oui, on les a dépouillés. Ok, les renforts sont totalement brisés. Excellent, on va les laisser courir un peu. Là, on dirait qu'il y a des gens qui essayent d'attaquer nos copains. Occupez-vous de ça. Ils sont 20, là. Faut pas déconner. Là, on va mettre un gros tas de monde. Ici aussi, les lanciers vétérans, ils vont céder. Je suis pas inquiet. Ok. Là, on charge les petits conscrits. Le moral est déjà tombé. En plus, ils se prennent des flèches enflammées dans les fesses. Ça n'aide pas. Ok, la garde de Chobiti en avant. Arrêtez donc de découper ce qui passe, vous. Occupez-vous des gens encore en vie, quand même.
Là, les frondeurs, on n'est pas hyper bien mis par contre. Là. Faudrait voir changer un peu ça. Bon. Dirigez-vous par là. Je pense qu'on a, nettoyé là. Pareil pour vous. Gaelden là, tu voudrais pas courir un peu? Suffit. C'est quoi cette glande? Mais sérieusement. Eh, le général là. Allez, go. Ok, c'est la déroute. Et c'est la victoire. Voilà, on a montré au Lucas comment on envahit un territoire. Non mais oh. 7 pertes. Ah oui. Carrément, et là zéro quoi, même nos éclaireurs qui ont chargé au milieu des flèches enflammées, ils ont perdu personne quoi. Ah bah ça sera une magnifique bataille de fin de série, voilà, allez le petit mouvement, on le décapite pour finir et on n'en parle plus. 7 pertes contre 1370 ennemis. Pas cher. La bataille pas chère quoi. Aliette qui s'en est fait 80 à lui tout seul, bon Gaelden qui a un petit peu glandé, hein, il était un peu fatigué de sa bataille précédente. Magnifique. Et on rase et on extermine. Voilà, c'est ça qu'on veut. Again. No one shall deny my people a new home. Et du coup, pour que no one ne deny son people d'un new home, on va construire un petit village sur le dernier emplacement. Parfait. Parfait, parfait. Bon, bah on a rasé les pyramides plusieurs fois pour certaines. On a quand même bien défoncé tout le territoire. Je pense que globalement, c'est une belle partie. Très belle partie. Je suis assez content de cette partie. Ah, on n'a pas assez de mouvement, tiens, là, c'est dommage. Avec lui, il est trop lent encore. C'est un trop petit piou-piou. C'est pas grave, de toute façon, on va s'arrêter là. J'espère que ce dernier épisode vous aura plu. On se retrouve très vite pour du Warhammer 3. Sur le nouveau DLC, donc normalement hier il y a eu une vidéo de présentation qui est sortie si vous l'avez ratée. Je présentais les nouveautés de la mise à jour gratuite et les nouveautés du DLC, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Et on se retrouve pour une campagne incessamment sous rapidement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi la série jusqu'ici et on se dit à très vite. Ciao ciao tout le monde.